Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce live, j'aimerais déjà, premier live de l'année 2023, extraordinaire, et j'aimerais à travers ce live vous réitérer mes engagements vis-à-vis de vous et aussi vous expliquer tout le planning que j'ai réservé pour vous cette année. Voilà, je suis assez contente de ce que je vais vous proposer et je pense vraiment que ça va répondre à vos besoins. Donc voilà, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Alors, qui suis-je? Je suis Armelle Timine, je suis coach quantique et je suis spécialisée dans la déprogrammation et la reprogrammation de votre subconscient. Vous allez me dire, waouh, c'est hyper technique tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Pour dire avec des mots simples, je suis une coach qui est là pour vous accompagner à transformer votre vie et d'établir une transformation interne, retrouver la paix dans votre cœur par rapport à votre histoire et aussi, et c'est important pour moi de le dire, et d'effectuer une transformation de votre réalité de vie. Je vous souhaite tous la bienvenue, Agathe, Émilie et Giovanni. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez me dire pourquoi j'insiste sur le « et ». Parce que il y a, à un moment donné, on se dit « bon voilà, j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner ». Et il y a des personnes qui vont vous accompagner à comprendre votre passé. Effectivement, c'est important. À vous sentir bien à l'intérieur. Et c'est OK. Mais beaucoup de gens qui viennent me voir me disent « Armelle, j'ai déjà eu un long travail ». Un long travail sur moi, je comprends quelle est ma problématique, mais je n'arrive pas à comment faire pour changer ma réalité. Et c'est là où j'interviens. C'est au-delà de la compréhension de votre passé. Il s'agit ici, quand vous venez de me voir, de vivre une réelle transformation. Et moi, ça, c'est ce qui m'anime vraiment. Et vous allez me dire, oui, mais attends, Armelle, il y a quand même pas mal de coachs, de thérapeutes, d'accompagnateurs qui finalement sont là pour la même chose, ils sont là pour transformer nos vies, c'est ce qu'ils disent tous. C'est vrai. Mais quelle est ma particularité? Bienvenue à tous. Pauline, bienvenue. Clotilde, bienvenue. Et quelle est ma particularité en tant que coach quantique? La particularité que j'ai, c'est que je ne vais pas travailler blessure par blessure dans votre passé. Je ne vais pas être focus sur votre passé. Je ne vais pas être focus sur le pourquoi. Je ne vais pas être focus sur un espace que vous ne pourrez pas changer. À part le fait de mettre de la compréhension, vous ne pourrez pas changer cet espace. Et en fait, je ne suis pas dans cette, je suis pas dans cet espace d'accompagnement-là. Ce qui m'intéresse d'aller voir dans le passé, c'est plutôt voir quelles sont les conséquences dans votre mécanique aujourd'hui, les stratégies de survie que vous avez utilisées, les stratégies d'évitement que vous allez utiliser par rapport à votre passé et qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre ce que vous désirez. Oh là là, Lola, bienvenue. Il a dit, ça me fait tellement plaisir de voir tout ce monde. Bienvenue à tous. Donc, la seule et unique raison pour moi d'aller revenir dans la ligne du temps de votre passé, c'est d'avoir cette lecture, c'est une interface de lecture pour moi pour dire, ok, compte tenu de votre passé, dans quoi vous êtes enfermé, qui fait que vous ne pouvez pas vivre ce que vous désirez et qui fait que vous allez revivre les situations de manière répétitive. Ma particularité en tant que coach quantique, justement, c'est que je vais être axée sur vos désirs. Ok, vous avez une histoire, mais la question aujourd'hui, c'est quelle est la vie que vous désirez vivre vraiment pour vous? C'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse donc, c'est votre présent et votre futur. Ce qui m'intéresse aussi, du coup, c'est d'aller dégommer, déprogrammer tous vos blocages, mais aussi déprogrammer et déstructurer justement ces boucles infernales dans lesquelles vous êtes pour vous permettre justement de reprogrammer votre système à l'endroit, de reprogrammer votre système par rapport à vos désirs, par rapport à la réalisation de ce que vous désirez vivre vraiment. Pourquoi je parle de déprogrammation, reprogrammation? Il y a beaucoup de programmation dans cette histoire. Je suis passionnée par la déprogrammation, la reprogrammation. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est la mécanique la plus rapide, justement, pour que vous puissiez vivre de réelles transformations. Pourquoi? Parce que l'être humain, en tant que tel, fonctionne de manière automatique.
c'est notre nature, on est fait comme ça. On est bâti, l'être humain est bâti à travers des programmations. Alors ça peut être des programmations agréables et ça nous permet de vivre une réalité de vie agréable. Mais si on est sur des programmations qui sont quand même difficiles et tragiques pour nous, ben, ça nous amène à vivre des réalités de lutte ou quoi qu'on mette en place. Cette réalité difficile, elle se revit quoi qu'il en soit. Donc pour moi, voyez bien que dans ma façon d'accompagner, du coup, je vous amène justement à recréer la programmation de votre système interne afin que vous puissiez vivre ce que vous désirez. Et de cette façon-là, tout naturellement, vous sortez de la lutte. Et ça, ça fait du bien. Donc, vous voyez bien que moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous gagnez du temps. La notion du temps, c'est important pour moi. Donc, vous gagnez un temps fou quand on est dans ces accompagnements-là. Hello Marielle, hello, bonjour à tous et bienvenue. Donc, le fait que vous gagnez du temps, ça c'est du coup important pour moi parce qu'on est focus sur votre, qu'est-ce que vous désirez vivre et la mise en place de votre mécanique interne, conscient et subconscient et inconscient aussi, de façon à ce que toute cette vibration intérieure soit propice à la création volontaire d'événements de vie que vous avez envie de vivre. Et ça fait du bien. Parce que se faire accompagner, c'est une chose. Engager de l'argent et de l'énergie aussi, et beaucoup d'attention et de cœur à se faire accompagner, c'est une chose. Mais faut-il qu'il y ait des résultats vraiment? Moi, ce qui m'intéresse, c'est dès lors que vous vous inscrivez avec moi, vous investissez avec moi, vous inscrivez dans un atelier, un programme, un coaching, indéniablement pour moi, ça ne peut pas être autrement que vous ayez le résultat que vous recherchez, que vous ayez une transformation concrète. Donc, concrète et immédiate. Hello Sarah. Et la troisième chose qui est aussi la particularité dans mes accompagnements, c'est aussi que vous soyez autonome. J'aime donner de la compréhension dans le mécanisme humain. J'aime partager justement à toutes les personnes que j'accompagne la compréhension de comment ils fonctionnent en tant qu'être humain, mais comment l'être humain aussi fonctionne par rapport au tout, à la globalité, à l'univers, parce que on interagit avec notre environnement extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est si on comprend la mécanique de la manifestation de nos désirs, si on comprend la mécanique de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné je désire quelque chose et je l'obtiens pas, ou qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné je désire quelque chose et je l'obtiens, la différence c'est qu'on comprend bien que désirer quelque chose, l'intention du cœur, l'énergie qu'on peut dépenser, la quantité d'action qu'on peut investir parfois ne suffit pas pour obtenir ce qu'on désire. Pourquoi ? Eh bien, il y a une compréhension à tout ça. Mais quand on comprend la mécanique, c'est extraordinaire parce que qu'est-ce qu'il arrive ? Mes chers amis, vous avez la possibilité de dire « Ok, je sais ce que j'ai besoin de changer, à quel niveau j'ai besoin de changer les choses » parce qu'en réalité, c'est vous qui avez les rênes de votre vie. Moi, ce que j'aime et la particularité dans mes accompagnements, c'est de vous offrir cette compréhension-là de la mécanique interne, en fait, et aussi de globale, pour que vous puissiez, vous, initier les transformations et les changements que vous désirez pour vous. Vous devenez autonome, généralement. La majorité des personnes qui viennent me voir deviennent autonomes, et de cette façon-là, en conséquence, ils se reconnectent à quelque chose qui est quand même extraordinaire, que vous avez en vous de manière innée. C'est la puissance de votre pouvoir créateur, la puissance de votre pouvoir de transformation. Elle est en vous, elle est entre vos mains, à portée de main. Et mon job, moi, c'est de vous permettre d'en faire un bon usage. Donc, un bon usage de votre temps, de votre énergie, quand vous prenez soin de vous, de façon à ce que vous puissiez vivre, obtenir ce que vous voulez, de façon à ce que vous puissiez rencontrer la personne que vous désirez, que vous puissiez devenir riche, c'est ça, de façon à ce que votre entreprise fonctionne véritablement. Quel que soit ce que vous désirez, vous méritez de le vivre, vous méritez d'être heureux, vous méritez le meilleur pour vous et tout est infiniment possible.
tout est infiniment possible. La seule limite, en fait, que vous rencontrez, c'est la limite que vous vous imposez vous-même. C'est la croyance même de se dire que cela n'est pas possible. Donc, en réalité, comprendre et savoir comment faire, c'est ce qui va vous permettre justement d'avoir cette accessibilité illimitée à toute chose. Et ça, c'est ma particularité. Donc, mes accompagnements sont des accompagnements dynamiques et actifs parce que quand vous venez me voir en coaching one-to-one ou dans mes programmes ou ateliers de transformation, on travaille ensemble, c'est un temps, je vous donne des contenus. Et en même temps, quand vous repartez, généralement, je vous donne, surtout en coaching one-to-one, je vous donne des exercices, et dans les programmes, coaching one-to-one et programmes, je vous donne des exercices pour que vous puissiez justement initier cette transformation par vous-même et que vous puissiez ressentir que à quel point vous avez la capacité de l'enclencher, vous avez la capacité de le faire. Et en même temps, ce qui est génial, c'est que quand on finit les coachings et les programmes, vous n'avez pas besoin de moi pour le faire, vous savez. Et ça, ça fait du bien. Vous n'avez pas besoin d'être thérapeute et faire des études pour savoir transformer votre vie. C'est juste une compréhension des choses. Et ma mission, c'est de vous transmettre justement les processus, cette compréhension et les processus nécessaires pour que vous puissiez initier ça vous-même en toute autonomie. Ma qualité principale, du coup, mes amis, c'est que je suis très engagée et investie quand vous venez me voir. Je suis investie et engagée à 120% à vous amener au bon port. Et mon job, c'est de vous tenir la main pour traverser la rive et je ne vous lâche pas. Je ne vous lâche pas tant qu'on n'y est pas ensemble. C'est un travail d'équipe dans lequel moi je mets vraiment à votre service mon don justement d'aller percevoir vos blocages inconscients et ça vous fait gagner du temps, un temps fou. Mon intuition, ma clairvoyance est vraiment un atout justement dans mon accompagnement parce que ça permet de cibler et de mettre de la lumière sur les blocages que vous avez besoin de changer et en même temps je crée mes processus moi-même, je vous les donne, je mets tout en place pour vous, les outils, les processus, pour que vous puissiez y arriver. Donc il n'y a aucune raison que la transformation que vous désirez, vous ne l'ayez pas. En tout cas, quand vous venez me voir, je me sens investie de vous y emmener. Vraiment. Ça veut dire que je ne vais pas forcément, quand vous venez, en coaching one-to-one surtout, mais même dans les programmes, je ne vais pas forcément vous caresser dans le sens du poil. Il faut savoir que c'est comme ça que ça se passe. Parce que imaginez qu'à un moment donné, vous avez un blocage. C'est important de nommer les choses. Et mon job, c'est de nommer les choses. À un moment donné, quand on est dans des situations de merde et qu'on a besoin de sortir de là, on a besoin de nommer les choses. De dire, non, en fait, là, je n'ai pas conscience que je fais de la merde. Et ça arrive à tout le monde. Mais une fois qu'on a vu sur ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout le reste est possible. Vous voyez, donc c'est quel que soit là où je vous pousse, il y a toujours cette intention bienveillante de vous amener de l'autre côté de la rive parce que c'est là où le bonheur se trouve pour vous. Vous voyez, donc c'est un accompagnement qui est dynamique. Je suis engagée, je vous y emmène. Je vous dis pas forcément les choses que vous avez envie d'entendre, mais je vais vous dire les choses que vous auriez besoin de changer. Si vous avez besoin d'être rassuré, je serai là pour vous. En fait, je suis pleinement là pour vous y emmener. C'est voilà, le résultat c'est important pour moi. dans quelle situation est-ce que je peux vous aider? Voilà, donc moi je serai d'une grande aide pour vous si vous vivez par exemple des situations répétitives et que malgré les accompagnements ou la compréhension, vous voyez bien que rien n'avance. La situation concrète, elle est toujours là. Les blessures émotionnelles reviennent en boucle. Là, je peux vraiment vous aider. Justement pour vous permettre de déprogrammer, pour sortir de cette boucle infernale. Je peux aussi vous aider vraiment si vous avez envie d'être libre de votre passé. Parfois, on vit des histoires qui sont lourdes. Et en fait, on passe notre vie à faire en fonction. On modèle notre vie pour... On voit bien qu'il y a des conséquences et des réminiscences de notre passé dans notre présent. Mais est-ce que ça vaut le coup? Je veux dire, à un moment donné, on a
Il y a des souffrances qui ont été vécues justement dans le passé et on aspire à un renouveau. Cette vie-là, je la veux plus. Et je vous comprends. Et à un moment donné, vous dites, moi, j'ai envie de changer la trajectoire de ma vie. J'ai envie de m'offrir un autre destin. Si c'est ça que vous voulez, je suis la personne qui peut vous aider, vraiment. Et je serais vraiment heureuse de vous amener à, justement, à vous ouvrir vers cette infinie possibilité de dire, ouais, mais moi, j'ai envie de vivre le grand amour. Ben, oui, ben, vous le méritez. Ça, c'est indéniable. Et vous pouvez le vivre. Vous n'êtes pas obligé de vivre. Votre passé, c'est fini. Tout est à faire. Tout est possible ici et maintenant. D'accord? Vous pouvez dire, ok, moi, j'ai plus envie de vivre les carences, l'insécurité financière de mon enfance. Ok, vous n'êtes pas... Ok, vous avez la possibilité de dire, moi, j'ai envie d'être riche. Ok. Ok, je suis la personne qui peut vous accompagner pour ça. Vous n'êtes pas obligé en soi, et c'est là où c'est ma particularité, d'aller traiter les mémoires de vos grands-mères, de vos mères, de tout ça qui n'ont pas traité les mémoires transgénérationnelles ou les mémoires karmiques. Je veux dire, aujourd'hui, ce n'est pas du tout ma croyance. Ce qui est fait que chacun s'occupe. Il faut rendre à César ce qui est à César. Vous êtes là pour prendre soin de votre vie. Vous êtes là pour vivre la vie que vous désirez vraiment. Ok, moi aussi, j'ai grandi dans une enfance où il y a eu l'insécurité financière. Mais à un moment donné, on a envie de dire, oh, basta, en fait, on n'a pas... Ça, c'est une histoire qui ne m'appartient pas. Moi, j'ai envie de construire la mienne de vie. J'ai envie de gagner ma vie. J'ai envie de dépenser mon argent comme je le ressens. J'ai envie de me faire plaisir quand je veux. J'ai envie de partir en vacances quand je veux. Eh ben oui. Eh bien oui, je vous souhaite de vous l'autoriser. Et si vous ne le vivez pas, de vous faire accompagner justement pour vous permettre d'accéder à quelque chose qui est totalement possible. Hein. C'est là, c'est accessible. Sauf que vous avez peut-être besoin d'un accompagnement pour y accéder dans ce monde. Pour accéder dans ce monde où la richesse est là. D'accéder dans ce monde où l'amour est là naturellement. Donc, c'est là où moi, je peux vraiment vous accompagner. Je peux être aussi d'une grande aide pour vous si à un moment donné vous dites bon moi j'en ai marre de subir la vie en fait, j'en ai marre de me faire malmener hein, par les gens, que ce soit dans le monde professionnel ou dans votre relation personnelle, et de se dire moi j'ai envie de reprendre les rênes de ma vie, j'ai envie de me structurer là davantage pour hop pour redevenir le leader de ma vie, d'être propriétaire de votre vie. C'est-à-dire, ça suffit en fait d'être malmené, vous voyez. Donc, si vous avez besoin de cette restructuration, de rétablir votre confiance en soi, votre estime de soi et de reconstruire votre identité, on est dans la structuration identitaire, je serais vraiment ravie de vous accompagner dans ce sens aussi. Je pense être la bonne personne pour ça. Et puis, il y a aussi une chose où moi, je peux vous aider. C'est si vous avez des rêves, des grands rêves, et de se dire, moi, voilà ce que je désire pour moi. Je veux créer un miracle dans ma vie. Et bien, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est propriétaire de nos miracles. Ça, c'est top. On est aussi maître de notre destin. On peut changer notre destin. C'est top. La question, c'est juste comment faire. La question, c'est juste quel est le blocage qu'il faut sauter? Quel est l'arrangement qu'il faut faire dans dans votre vibration intérieure, justement, pour vous permettre de vivre cette réalité-là? Et c'est là, je pense que je peux vraiment vous aider aussi dans ce sens, de créer volontairement des événements heureux et joyeux que vous désirez vivre et de faire en sorte que cela puisse se faire naturellement sans avoir besoin de la lutte pour ça. Sans avoir besoin de la lutte, tout en sortant de la lutte. Voilà. Donc, ça, c'est ma particularité en tant que coach quantique. Bon. Alors, qu'est-ce que je vous propose pour cette année 2023? Je me sens très inspirée cette année. Et voilà à quoi je m'engage vis-à-vis de vous. Je m'engage vraiment à vous offrir des contenus de qualité. Des contenus de qualité. Quand je dis des contenus de qualité, ça veut dire que tous les contenus que je vous ai déjà offerts auparavant, mais je réitère mon engagement vis-à-vis de vous aujourd'hui, sont des contenus, que ce soit dans mes lives, dans mes posts,
que ce soit les processus que je vous offre, peu importe, sont des contenus qui sont issus de ma propre expérience, dans lequel j'en tire et j'extrais vraiment l'essence pour que vous puissiez vivre vos propres transformations. Profondément, je me ressens comme un chercheur, une chercheuse, vraiment. Je suis vraiment un chercheur qui aime observer la vie, qui aime observer ma vie, mon mécanisme, comment les blessures se transcendent à l'intérieur de moi, comment ça s'éveille, comment j'arrive à les transformer de manière rapide. Comme je vous ai dit, la notion du temps, c'est important pour moi. Je pense vraiment, je le ressens au plus profond de moi, qu'à l'heure actuelle dans laquelle nous sommes, nous n'avons plus besoin de thérapie longue. Assez rapidement, nous avons les moyens aujourd'hui pour justement enclencher les transformations que nous souhaitons assez rapidement. Tout a évolué aujourd'hui, Internet, on se connecte aux gens à la seconde près. Donc, je pense qu'une grosse mise à jour au niveau de l'accompagnement est aussi nécessaire. Donc, c'est là, en tout cas, je me sens inspirée par vous partager des contenus de qualité dans lesquels, voilà, qui sont issus de mon expérience, dans des processus que je reçois de manière intuitive, que j'applique moi-même, que j'affine et que j'affine toujours, bien sûr. Et c'est ça que j'aime partager avec vous. Je ne parlerai jamais d'un sujet que je n'ai pas transcendé moi-même. Non. Je parlerai toujours de sujets dans lesquels j'ai eu un résultat, dans lesquels j'ai eu une transformation, dans lesquels j'ai eu une prise de conscience. Et ce que j'aime, c'est de vous partager ça. Pourquoi ? Parce que peu importe votre passé, vous êtes complètement légitime d'être heureux. Vous avez le droit de l'être. Et vous avez la possibilité d'être vraiment heureux dans tous les domaines et heureuse dans tous les domaines de votre vie. La seule question, c'est comment faire. C'est tout, mes amis. C'est comment faire. Une fois qu'on sait, en fait, waouh quoi. Et ce n'est pas une question de temps. Le bonheur, ce n'est pas, oui, j'ai envie d'être heureuse peut-être un jour, quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela. Non, en fait, à un moment donné, on a la possibilité de sortir de ces conditions que l'on s'impose pour accéder au bonheur. Si jusque-là, vous vous dites, ben moi, je ne me suis pas sentie heureuse, j'ai l'impression que je l'étais un petit peu, mais pas assez. J'ai un peu le sentiment d'avoir ramé jusque-là. Ben, moi, ce que j'ai envie de vous dire, en fait, c'est que vous avez la possibilité véritablement d'accéder à votre bonheur maintenant. Mais peut-être que si ça n'a pas été fait, c'est que vous avez besoin de trouver la méthodologie. À un moment donné, il y a des protocoles. C'est un mouvement d'ensemble. C'est global, en fait. C'est global. C'est comme si vous amenez une voiture chez un garagiste. Et OK, on regarde le moteur et tout, les blessures, on rectifie, Oui, mais vous avez aussi besoin de tenir compte de l'environnement. Quels sont l'état des routes dans lequel vous allez? Dans quelle direction vous allez? Peut-être que vous allez à un endroit où à un moment donné, c'est escarpé, les routes sont un petit peu, c'est la brousse, vous voyez, je ne sais pas. Mais du coup, à partir de là, on ne règle pas la mécanique. Elle a besoin de se régler différemment. Voilà. Et puis, quand bien même nous sommes tous des humains, nous avons une différence de par notre histoire. Donc il y a des choses qui sont acceptables pour soi, il y a des choses qui ne sont pas acceptables pour soi. Mais quand on a cette vision globale du tout, on peut tout changer, on peut accéder à tout, on peut tout avoir, on peut tout avoir. Donc voilà, donc je m'engage à vous offrir des contenus de qualité à travers les lives, les posts écrits. J'ai aussi les newsletters que j'envoie qui sont différents des posts. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon site internet si vous avez envie d'être tenu au courant et en prioritaire des offres que je fais. Et aussi, il y a une nouvelle formule des coaching live que je fais. C'est vraiment des lives sous forme de coaching dans lequel vous avez vraiment les outils. Donc, n'hésitez pas, voilà, à vous inscrire sur les réseaux sociaux. Je suis également sur Instagram, Facebook et sur YouTube si vous voulez être au courant des vidéos en permanence. Concernant les lives, ça sera tous les mercredis à 11h. Rien ne change sur différents thèmes. Donc, si vous avez envie que j'aborde certains thèmes qui vous parlent, dans lesquels vous avez besoin d'avoir des éclairages, je serais vraiment ravie que vous me partagiez. Envoyez-moi un message en MP. Je serais ravie de développer le sujet pour vous. Ensuite,
Quelles sont les différentes formules que je vous propose? La formule premium, bien sûr, où vous m'avez rien que pour vous, ce sont les coachings one-to-one. Les coachings one-to-one, c'est quand vous avez vraiment envie que je m'occupe de vous uniquement, particulièrement. Hello, bienvenue Céline. Et voilà, donc les coachings one-to-one. Il y a plusieurs formules dans les coachings one-to-one que je vous propose. Vous avez déjà connaissance du coaching immersion qui est un accompagnement un peu plus approfondi sur 2 mois. Le coaching express, c'est sur 1 mois, 3 séances. Ensuite, il y a aussi le coaching flash que je vous ai proposé jusqu'à ce jour, qui est un coaching à prix doux, 30 minutes, mais c'est occasionnel. Voilà. Et là, j'ai l'intention de vous proposer des nouvelles formules de coaching. Donc, restons en contact sur mon site internet. Ça va être affiché dessus. C'est des coachings one shot. Voilà, parce que j'ai eu quand même des demandes l'année dernière sur 1h30, des coachings 1h30. Et puis, j'ai une nouvelle idée aussi sur un nouveau format de coaching qui, à mon avis, va me parler sur un entretien sur 6 mois, sur 1 an. Que je vais appeler le coaching Equilibrium. Donc, ça va être mis en ligne très bientôt. Donc, et puis j'aurai le temps de vous expliquer tout ça. Donc, plusieurs formules de coaching pour vous permettre vraiment d'avoir à la carte les formules qui vous parlent, à des tarifs différents qui vous parlent. Donc, j'espère que ça va vous, j'espère que ça va vous satisfaire. En tout cas, moi, j'ai un grand plaisir de vous les proposer. Ensuite, je vous propose aussi des programmes. Les programmes, c'est quoi? Parce qu'il y a les programmes et les ateliers de transformation. C'est 2 choses différentes. Les programmes, c'est des coachings collectifs et à la fois individualisés. D'accord. C'est des coachings de transmission de processus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous soyez autonome, c'est vraiment important, une mission pour moi. Donc, c'est à la fois un coaching de transmission, mais aussi de transformation pour vous. Ça, c'est le format des programmes. C'est ce programme, pour qu'il soit collectif et individualisé, pour que vous ayez vraiment des résultats, vous êtes un tout petit groupe de 6 personnes. Donc, en termes de programme, qu'est-ce que je vous propose? Vous avez déjà le programme Accès direct au bonheur. Ça, c'est top. Tous les programmes, généralement, là, l'accès direct au bonheur, c'est sur 2 mois. On est 2 mois ensemble. Et là, vous vivez un shift, hein. C'est indéniable. Vous avez bien compris que le résultat, c'est important pour moi. Il y a un avant, un après programme. L'accès au bonheur, il est là, vraiment. Et les inscriptions sont ouvertes si vous avez envie de réserver votre place, justement. Et on commence le 8 avril. Ensuite, vous avez un autre programme qui est « Manifester vos désirs ». Ce programme est un niveau au-dessus du programme « Créer votre propre changement » que j'ai fait auparavant. Donc, l'idée de ce programme, c'est vraiment plutôt un coaching aussi collectif et individualisé, mais qui sera axé, hello Emily, qui est vraiment axé pour le coaching « Manifester vos désirs » sur les processus de déprogrammation, de reprogrammation et la lecture de vos blocages inconscients. C'est vraiment un programme qui est vraiment axé sur la mécanique de transformation. Et vous pourriez transformer, à l'issue de ce programme, vous transformez tout ce que vous voulez dans tous les domaines de votre vie. Et je pense que même ce programme, il est vraiment top pour tous les thérapeutes et les coachs, parce que du coup, je vous livre les processus en question, ce qui est quand même top. Enfin, toutes les personnes qui ont déjà fait ce programme sont à l'heure aujourd'hui autonomes. Personne, c'est très rare qu'ils reprennent des coachings avec moi ou autre, parce qu'il y a vraiment une vraie autonomie, un vrai regard sur la vie qui a changé, une clairvoyance aussi qui s'est ouverte, donc c'est vraiment top. Et puis, j'ai les ateliers de transformation. Ah oui, le programme « Manifester vos désirs », vous pouvez déjà vous inscrire. Enfin, il commence le 4 février. Je ne l'ai pas encore mis en ligne sur le site, mais je vais le faire. J'ai du boulot. Ensuite, il y a les ateliers de transformation que je vous propose. Ces ateliers de transformation, ce sont des coachings collectifs de transmission de processus, de prise de conscience. Ça veut dire que vous vous inscrivez. Alors, il y a plusieurs thèmes, bien sûr. Il y a déjà eu la lecture 5D sur la lecture des blocages inconscients. Hello Julie et Jessie. Il y a aussi, là, très prochainement,
le 22 janvier, je vais proposer justement un atelier de transformation sur en finir avec le sentiment de solitude. Voilà. L'idée justement de ce genre d'atelier, c'est de vous amener de la compréhension sur pourquoi ce sentiment de solitude est récurrent, malgré que vous essayez de vous convaincre que tout va bien, vous n'êtes pas seul, malgré tout, le sentiment, il est là, la sensation de vide, elle est là. Donc là, cet atelier-là vous permet déjà de mettre de la lumière sur, ok, c'est quoi le problème en fait? Ok. Ensuite, c'est quoi que j'ai besoin de déprogrammer? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire sauter dans cette histoire? Et qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place pour sortir de là? Donc, c'est vraiment la transmission du processus adapté au sentiment de solitude pour que vous puissiez revenir dans un sentiment plein tous les jours. Un sentiment d'amour tous les jours. Un sentiment de lien tous les jours. D'accord? Ensuite, il y a aussi un autre thème sur l'atelier de transformation que je vais proposer plus tard, c'est sortir de la lutte, puis mieux vivre les séparations. J'ai trouvé que ces thèmes étaient assez importants aussi. Donc, les ateliers de transformation, ce sont des coachings collectifs. Je vais les faire tous les dimanches, c'est super, en fin de journée. Ça va durer 2 heures et demie environ. Voilà. Donc, tout ça va être mis en ligne et tout ça, je vais vous tenir au courant de tout. Autre chose que je vous propose aussi, ce sont les processus en ligne sur mon site internet. Vous avez déjà sur mon site internet la gestion de A à Z de vos émotions. Vous avez un processus complet. Vous avez un souci avec vos émotions. Vous prenez ce processus-là, ce processus en ligne, tout est là. Tout est là. La gestion de la colère, la communication non violente, comment exprimer vos émotions, comment aussi libérer vos émotions à la racine. Donc là, on est dans la libération des blessures de l'enfant intérieur. Et vraiment pour déraciner l'émotion, pour ne pas la revivre en boucle. Donc c'est quand même assez complet. Vous avez aussi le décryptage des émotions pour que vous ayez une lecture au quotidien de quel est le message que les émotions me donnent. Et ça fait aussi du bien de le savoir. Quand les émotions ne sont plus un problème, on respire, mes amis. Donc, je vous souhaite d'avoir vraiment ce programme aussi, ce processus en ligne entre les mains. Donc, pour résumer, les amis, cette année 2023, je m'engage à vous offrir, comme toujours, des contenus de qualité, voilà, d'une réelle puissance pour vous permettre de transformer votre vie. Puis, si vous avez envie d'onboarder avec moi, que vous avez envie que je vous accompagne, vous avez les coachings one-to-one, c'est l'offre premium. Et puis, vous avez aussi le programme, les programmes que je vous propose, qui est pour moi aussi une offre premium. Vous êtes en petit groupe, c'est des coachings collectifs, individualisés, un petit groupe de 6 personnes. Je trouve ça quand même très intéressant parce que les transformations, vous allez les vivre. En plus, dans une dynamique de groupe, c'est super parce que ça nous permet de nous voir et d'avancer plus vite aussi. Et puis, vous avez les ateliers de transformation qui sont des ateliers collectifs où vous allez travailler, vous allez pouvoir déprogrammer justement, sortir de certaines problématiques et blocages. Donc, c'est des transmissions de processus adaptés. Et puis, vous avez les processus en ligne où vous pouvez justement par vous-même, à tout moment, à votre rythme, intégrer, apprendre à comment sortir de vos émotions et de vous permettre d'être au confort dans votre vie au quotidien. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser justement après ce live. Vous avez besoin de plus d'informations, mes amis. Je suis sur mon site internet www.armel-timine.com. Je suis aussi sur tous les réseaux sociaux, donc Instagram, bien sûr, Facebook, YouTube et LinkedIn. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me contacter. Je reste disponible avec grande joie. Voilà. Mes amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je voudrais aussi vous remercier de toute la confiance, pour ceux qui me suivent déjà, de la confiance que vous me portez à ce jour. Et c'est toujours avec un grand enthousiasme pour moi d'être là auprès de vous offrir mon engagement, mon implication dans votre histoire, parce que votre histoire compte, parce que vous comptez pour moi quand vous venez me voir, bien sûr, dans mes accompagnements. Je mesure à quel point l'investissement que vous faites quand vous venez me voir, et ça compte pour moi. Ça compte pour moi. Et je me sens missionnée de ce pourquoi vous venez me voir. Donc,
Donc, je suis vraiment ravie déjà pour ceux et celles qui vont cette année s'inscrire avec moi de toutes ces belles transformations, de ce travail d'équipe qu'on va faire ensemble. Voilà. Prenez bien soin de vous, mes amis. Portez-vous bien. Ouvrez votre cœur à ce que vous désirez vivre. Tout est là, tout est infiniment possible. C'est vraiment, voilà, je pense que c'est comme ça que j'ai envie de finir ce live. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.